En ce moment, je me spécialise un peu dans les grosses échelles. Effectivement, parce que c'est ça qui me plaît. Vraisemblablement, c'est vrai que c'est vers lequel, vers les choses qui j'accroche le plus. Mais en fait, ça, c'était une blague. Ce qu'on va ouvrir, c'est ça. Et là-dedans, il y a deux voitures. Et ouais. Et ouais, donc j'ai acheté. Et oh, ça, c'était une blague, c'est à ma femme. J'ai pris. Attends, je vais mettre un peu par là. Chez Julien, qui est le propriétaire, souvenez-vous, d'un 4-2, le beau 4-2, je sais plus le nom, putain, ça y est, c'est la vieillesse. Donc ceux qui se souviennent du 4-2, le dernier 4-2 que j'avais, le petit 8e, enfin un 10e, c'est pas de haut tracing, c'est le Proline, voilà. Ça y est, je suis pas tueux. Et donc du coup, il est aussi assez fan de ces petites machines. Et là-dedans, on a un... deux... Oh, il y a un petit t-shirt, c'est Mimi. Ah non, pas t-shirt. Un truc pour faire des courses. Oula. Merci, Marcel. Ah oui, attends, tu viens d'où, chef? Oh putain, Bon, bah, Rogne, oui, c'est sûr que c'est pas loin de Marseille. Là-dedans, on a deux micro-losités. Voilà. Donc, on en a une ici, donc une roller et une complète en brushless. Qui est ici en châssis long, donc short curse. Et pourquoi je voulais ça? Parce que ceux qui me suivent un peu sur YouTube où je fais des pauses de temps en temps, j'ai à disponibilité maintenant, alors il y aura une piscine dessus dans pas longtemps, hein, mais un petit bout de carré d'herbe synthétique. Et du coup, je voulais vraiment tester cette petite machine là-dessus. Oui. Oui, alors pause parentale, vidéo ça faisait longtemps. Donc, et après, effectivement, alors ça c'est pour le roller, c'est pour celui-ci, pour le remettre. Une radio extra, la Tube Racing, pour celui-ci. Donc, c'est des petites fusées qui fonctionnent en LiPo 2S. Alors, celle-ci elle est full origine, hein, avec encore la platine d'origine, le cerveau d'origine, le moteur brush d'origine. Et celle-ci est déjà montée en fait en brushless. Donc avec un petit, t'as vu ça, tout petit brushless en diamètre 12, longueur de 22-23, un peu plus, 10 000 kV, waouh. En du coup 2S 300 mA. Et donc, voilà, c'est vraiment hyper sympa à voir évoluer. Alors, attends, parce que dedans, en général, hop, il faut mettre des pipiles. Ah, mais met les pipiles, oh, c'est gentil, Juju. Est-ce que les pipiles fonctionnent? Tac. Oh, ouais. Donc, débranche la lipoche. Dans le bon sens, hein. On a été tout fumé au premier truc. Voilà. Et voilà. Donc on est vraiment sur du 1/36e. Et du 4/2 remplis. Voilà. C'est vachement vif, donc ça tient avec du scratch. Donc vous inquiétez pas, rien n'est cassé. Et moi, je vais m'en faire un. Donc il y a celui-là qui est déjà fait. Donc avec une platine plus grande, donc sur bâche, sur côte. Donc voilà, la différence c'est à peu près 1 cm entre les deux châssis. Et puis donc amortisseur, bon, il y a une tonne d'options qui existent sur ces machines qui datent des années 2000 et qui sont arrêtées depuis par Lozy. Je trouve ça bien dommage parce que franchement c'est un format qui est sympathique. Pour jouer dans la maison, dehors, sur des surfaces vraiment planes, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, en brochette, ça commence à
avoiner du steak. Et là, comme, hé, hey, mon gars, j'ai pas encore la piscine. J'ai la voiture qui fonctionne. On va vous faire un run direct. D'accord. Voilà. Et donc après, là, le deuxième, bah, je vous ferai la transformation. Je vais le même mettre en brushless. Deux S également. Il y a ces petites lipos là, comme on a vu, là, en mode bâton sur le grand. Puis il y a les lipos qui sont vendus. Et ça, c'est Hobby King, de ce format-là, qui sont adaptés à cette trappe-ci. Et on va mettre tout ça en brochette également. Donc hop, on se rejoint sur le pré. Alors voici le pré. Alors on mettra des obstacles, on mettra des virages, on mettra des trucs. Et la petite bête. Premier roulage, juré, premier craché. Ah ouais, ça va être top. C'est presque limite en fait. Hein. Après c'est de l'accroche à gérer. Je crois que je vais pas mettre d'obstacle. C'est déjà bien assez cabossé pour lui. Donc les amorceaux sont pas d'huile en fait. Hein. Donc pas de... Ça rebondit un peu du cucu, mais globalement on est en 2-2, donc c'est assez souple derrière, tu vois, comme ça travaille quand même. Mais en tout cas, le pré est assez adapté à la taille. J'avais beaucoup hésité avec les Vetos que j'avais déjà, et que je me disais que bon... Ça risque de faire un peu grand. Et là, franchement, on va s'éclater avec les garçons. Attends, petit arrêt antenne. Excellent, on va mettre ça avec des petits plots, peut-être des petits tremplins, pas violents du tout parce que... Mais ouais, il y a de la pêche, il y a effectivement 2S 10 000. Voilà, je pense qu'en plus la lipo n'est pas forcément super chargée, mais en tout cas la vitesse. Pour ça, c'est amplement suffisant. Ça sent-il de cucu, hein? Attends, ouais. Donc c'est bien sûr totalement fully proportionnel. Ah, je suis planté. Planté, drapeau, planté, le planté. Excellent. Donc, je vais me commander un peu tous les... Ah, tu vois, la lipo était vide, c'est pour ça. Donc, petit essai tout rapide sur la piste non préparée, non signalisée. Mais franchement, merci Juju, je sens qu'on va s'éclater. Et bientôt pour la suite des aventures de la conversion du roller et du matos. Voilà, merci à tous, ciao.